Salut Internet, c'est Kamof. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ouais. Il y a maintenant quelques temps, une femme, désolé si je parle du nez, j'ai une putain d'allergie. Il y a quelques temps, une femme nous a envoyé plusieurs messages sur notre page Facebook en nous disant qu'elle trouvait bizarre que dans un parc pour enfants, il y avait un homme qui faisait sans cesse des allers-retours aux toilettes. Et au début, elle pensait que c'était un pervers sexuel, donc un pédophile. Comme elle a pris la photo de ce monsieur plusieurs fois, elle nous l'a envoyé et elle nous a demandé si on voulait bien aller sur place vérifier ce qui se passait, parce que sans preuve, la police ne se déplaçait pas. C'est évidemment ce que nous avons fait. Nous nous sommes rendus sur place pour voir si ce monsieur était encore présent, parce qu'apparemment il était là tous les dimanches. Et vous verrez par vous-même dans cette vidéo que les choses ne se sont pas passées comme prévu et que la dame avait bien raison d'avoir des doutes sur ce monsieur. Et avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à rajouter mon ami Trillionnaire Prono sur Instagram, il s'affiche juste ici. Avec ses pronostics, j'ai été beaucoup plus gagnant que perdant. Et si les gens qui regardent mes vidéos m'avaient écouté depuis le début, vous verrez que vous serez sûrement plus en gain qu'en perte. Et comme je ne parle jamais de Trillionnaire Prono sans une vie, n'hésitez pas à aller regarder les lives de mon ami Une Vie qui joue sur Fortnite et qui est maintenant passé sur la plateforme Twitch. Donc son nom d'utilisateur s'affiche juste ici aussi. Vous pouvez aller checker ça, il fait gagner des V-Bucks. Donc tout ce que je vous présente, c'est que du bonus. N'hésitez pas à aller checker mes deux amis. Et maintenant, que la vidéo commence. Bon voilà les gars, donc là aujourd'hui, en compagnie de mon ami Soso, le snap, il s'affiche ici. Bâtard, on va l'afficher sur sa tête. Affiche le snap sur sa tête, s'il te plaît. C'est un bâtard, il mérite que ça. Donc nous, ce qu'on va faire, on va se mettre un peu plus loin avec Soso et Bâtard et le caméraman. On va filmer de loin pour voir si on voit quelqu'un de suspect rentrer dans les toilettes. Et nous, après ça, on ira vérifier s'il y a vraiment une caméra ou si c'est pas des conneries. Et une fois qu'on sera calé, on va filmer et on va voir s'il y a une activité suspecte. Donc je vous laisse regarder cette vidéo. J'espère que tout va bien se passer. Et j'espère vraiment qu'on va y tomber dessus si c'est vrai. A tout à l'heure. Il est derrière les toilettes, non? Non, je sais pas où il est. Je l'ai vu, il est passé derrière le... Il est là-bas, regarde. Il va où? Aux toilettes. Et en fait, tous les dimanches, la femme elle dit que tous les dimanches, le mec il vient là, il va aux toilettes. Tu vois, je sais pas ce qu'il fait, il rentre. Il sort. Et apparemment, de ce qu'elle m'a dit, il sort. Il attend la fin de la journée, il rentre et il se taille. Mais il est seul. Tu vois, et c'est assez bizarre qu'il soit seul en fait. Et il ressort. Voilà. Bah, peut-être qu'il est allé juste aux toilettes, c'est tout. Alors on est rentré. Bah, au pire, j'ai envie de pisser, j'ai vu. Et là, voilà, VV ce qu'il fait, regarde ce qu'il fait. Il sort des shots. Il est sur son téléphone, hein. Il sort des shots et il va direct sur le banc et il se pose sur son téléphone. Voilà, il fait que ça. Donc les gars, vous savez ce qu'on va faire? Rien du tout, hein. Il fait rien de mal là pour l'instant. Non, là il fait rien de mal, moi je vais juste aller aux toilettes et je vais voir s'il y a un truc de bizarre. Il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Ouais, attendez moi. Bah, on va aller aux toilettes encore. Donc là les gars, je vais aux toilettes. Le mec en question, il est là-bas, au fond, deuxième banc. Et là vous voyez aux toilettes, il y a encore des gens. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de passages dans ces toilettes. J'espère vraiment qu'il n'y a rien du tout. Donc voilà les gars, là je viens de rentrer dans les toilettes. Je vois rien de particulier en fait. Voilà, je regarde surtout en haut parce que là il n'y a rien, c'est quoi ça? Ok, ça c'est un capteur, il n'y a rien du tout. Là par terre, il n'y a rien. Derrière ça, il n'y a rien non plus. C'est bizarre. C'est peut-être un faux signalement, je sais pas. Voilà. Ben voilà la caméra. Elle fait même pas la lumière rouge celle-là. Ouais. Ok, on va arrêter ça de suite. On va l'arrêter cash. Donc là mes amis, mes collègues ne savent toujours pas qu'il y avait une caméra dans les chiottes. Je vais la faire venir et je vais attraper le mec en direct. Cash. Venez, il y a un problème. Venez. Il y a un souci, hein. D'accord. Il y a un souci. Bon. Parce que le mec, il a une caméra. Ah ouais. Elle est pas discrète en plus, tu vois, c'est juste, je comprends pas comment les gens ils peuvent pas l'avoir. C'est quoi, c'est une GoPro, ça, lui? Ouais, c'est une GoPro, frère. Qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui l'a posé, là? Ouais, c'est lui. Et on va le choper de... Je crois qu'il a cramé. Tu penses qu'il a cramé? Si c'est comme ça, c'est qu'il a cramé. T'as l'esprit de la Non.
excusez-moi. Bonjour. Vous pouvez venir avec nous, s'il vous plaît, sans faire remarquer devant tout le monde. Venez, s'il vous plaît. Venez, sinon on va aller au commissariat. On va aller au commissariat, sinon venez. On va parler tranquille, pas devant tout le monde. Si vous voulez, je vous fais remarquer devant tout le monde, c'est pas un souci. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est à qui ? Ça va être très bien de ce qu'on parle. C'est quoi ça ? Je sais pas. C'est une caméra ? C'est une caméra ? Ouais. C'est pas la vôtre ? Pas du tout, ok. Bah, venez avec moi. Parce que là, il y a des gens qui nous ont signalé ici comme quoi vous étiez là tous les dimanches. Ouais. C'est vrai ou pas ? Vous êtes là souvent ? Là, j'habite à côté, je promène. D'accord. Et la caméra des toilettes, c'est pas vous ? Non. Ok. Il y avait une caméra des toilettes ? Ouais, il y avait une caméra des toilettes. Mais c'est pas vous. Bizarrement, quand vous êtes rentré, non ? Ouais, je sais pas, bah après il y a du passage, hein. Ouais. Ça va être passé aussi. Je vais pas m'énerver parce qu'il y a du monde. Et j'ai pas envie de faire remarquer, il y a des enfants et tout ici. On est rentré juste avant. Parce qu'on a signalé qu'il y avait un mec bizarre qui rôdait autour des toilettes. Ouais. Quand moi je suis allé, il y avait pas de caméra. Ouais. Après, il y a une femme qui est rentrée, il y avait rien non plus, on est passé après la personne. Donc au début, il y avait rien. Jusqu'à ce que vous alliez dans les toilettes. Et là, je suis allé après les toilettes. Pourquoi je suis meurée? Ah, mais j'en sais rien, je sais pas, il y a des gens. Non, elle est pas où la caméra? Elle est pas où la caméra? Ok, donc ça vous dérange pas? On a le commissariat et qu'on dit. On n'accuse personne, on a vu. On est venu avant. Non, mais attends, on est venu avant. Vous étiez dedans pour voir si c'est moi. Je te dis un truc, c'est pas ta caméra? Non. Si maintenant on arrive nous à extraire tout ce qu'il y a des photos, tout ça, si on trouve des photos de toi, on fait comment? Tiens, elle a trop proché. Non. Ça ne dérange pas de venir avec nous du coup. Mais pourquoi faire? J'ai pas voulu suivre. Parce que si tu viens pas avec nous, si t'as rien à te reprocher, tu viens avec nous. Voilà. Si t'as rien à te reprocher. Si t'as quelque chose à te reprocher, si t'as quelque chose à te reprocher, c'est pas grave, tu t'en vas. Et nous, à ce compte-là, on va au commissariat, on dit que voilà, on suspecte quelqu'un. Ouais. D'accord? On a ta figure, on a ton visage, on a tout. Parce qu'en plus, j'ai filmé, il y a une caméra juste là-bas au fond. Vous étiez dedans pour voir si moi j'ai mis la caméra? Non, mais on est parti juste après, il y avait personne. Et juste après toi, il y a une caméra, c'est pas bizarre? Il y avait qui avec toi? S'il y a des vidéos de tout le monde et pas de toi, ça veut dire que c'est ta caméra. Toi, qu'à chaque fois que t'es là, tu renettoies, tu ressors, tu fais des allers-retours. Oui, mais tu fais pas des allers-retours toutes les heures, frère. Faut arrêter le délire. Tu vois, en plus, tu es seul, tu es bizarre. Donc, est-ce que. Problème de ventre. Non, mais est-ce que. Ouais. Tu as une diarrhée aiguë, c'est ça? Si tu viens avec nous, y'a pas de soucis. Ouais, ça va. Allez, on y va. Je veux pas qu'on voie ma tête après la caméra, là. Ah, bah là, pour l'instant. Tu sais, là, on peut plaindre. Ah, oui, bah oui, bah, y'a pas de soucis. Tu peux aller porter plainte. Le problème, c'est que nous. Je vais porter plainte aussi contre la dame qui me prend en photo. Si tu veux, oui. Si t'as rien à te reprocher, tu feras ça. On fait des vidéos sur YouTube. Si t'as rien à te reprocher, on fait pas de vidéo. On la sortira pas, tu comprends? Ouais. Ça, c'est ta voiture, ça? Ouais. Ça marche bien les vidéos sur YouTube. T'inquiète pas, je l'ai eu avant de faire des vidéos sur YouTube. Bon, du coup, là maintenant on est devant les caméras. Est-ce que tu as quelque chose à te reprocher ou pas? Non, rien du tout. Je serais pas là, non. D'accord. Est-ce que tu as un téléphone sur toi? Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous le passer pour qu'on regarde ce qu'il y a dedans? J'ai jamais vu. Elle est pas à toi la caméra? Non. Faut qu'on la garde alors? Ouais. Voilà, tiens. Cadeau. Tu veux pas me passer ton téléphone? Non. Alors, tu sais quoi, V? Ciao. Bonne journée. Pourquoi? Parce qu'on va se tailler. Si je te passe mon téléphone, tu me donnes la caméra. Tu veux pas passer ton téléphone, tu es sûr? Non. Dernière fois, je te demande. Non, non. Allez, ça va. Mais écoute, bonne journée. Bon. Les gars, on se taille, on va au commissariat. Allez. Vas-y, viens. S'il te plaît. C'est bon, remonte avec. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon, attends. Attends. Quoi, attends? Tu me passes ton téléphone ou pas? Ouais, vas-y. Ah. Au commissariat. Ça dépend ce que je trouve dedans. Si tu fais rien de mal, on peut aller au commissariat, montrer les caméras. On va pas se faire chier longtemps, gros, j'ai pas que ça à faire. Je te dis la vérité, j'ai tapé un truc à faire aujourd'hui. Voilà. Merci. Il y a un code, bien entendu. Je vais même pas fouiller ton téléphone, tu me l'as déverrouillé, mais je vais même pas fouiller dedans. Tu sais ce que je vais faire? Ouais. Tape ton numéro, parce que moi j'ai pas mon portable. Ah, mais tu vas pas le faire. Il y a un truc d'enregistrement. Si, mais va prendre mon numéro, refaire. On s'appelle? Refaire. Ben, comme ça, on a ton numéro, on a une. Ah, des vidéos avec vous? Ouais, voilà, ouais. C'est que j'appelle So, comme ça, on a ton numéro. Non, tu as pas besoin de faire ça. Si, ah, si, j'ai besoin. Tu m'as pas son téléphone de plein gré, frère. Tu me l'as déverrouillé. Voilà. C'est bon? Tiens, récupère ton téléphone. Et fais pas un bon temps, minimum, je vais me donner la caméra. Je donne pas la caméra. Pourquoi? Parce que je donne pas la caméra. Je te la donne pas la caméra, tu as pas compris, je te la donne pas. J'ai pas fini. Oui, ton téléphone. Donne 100 euros. Donc c'est ta caméra. Non, c'est pas ma caméra. Donc c'est ta caméra. Non, c'est pas ma caméra. Alors pourquoi tu demandes 100 euros? C'est la tienne ou c'est pas la tienne? Alors. Tu peux partir maintenant, c'est bon? Non. Pourquoi tu vas rien? Parce que je veux ou la caméra ou tu me donnes 100 euros. Vas-y. Tu dis que tu vois rien, tu vas faire quoi? Moi je sens, là, à l'heure actuelle où on parle, j'ai l'impression que tu as envie de me dire quelque chose. Mais que tu oses pas parce qu'il y a les caméras. Baisse la caméra, s'il te plaît, poteau. Il éteint. Hop là. Si tu as quelque chose à me dire, tu me le dis. Moi aussi, je fais des caméras cachées, c'est tout. Non, attends. Une question simple. La caméra, la toilette, c'était la tienne ou pas? Ouais, c'est la mienne, ouais. Tu regardes les gens là aux toilettes? Non. C'est ça ton kiff? Comment? Tu veux une caméra à la toilette? Pourquoi alors? Je comprends pas. Explique-moi. Explique-nous. Je sais pas. Explique-nous parce que c'est en train de me monter. Je suis toujours en train de me monter. Je vais péter un câble. Il filme plus là? Non, il filme plus ça. Tu vois, la belle est bien. Je sais pas, c'est comme ça, c'est un délire. Gros, tu devrais aller sur toi, M4. Là, ouais, j'ai envie de te prendre. Oh, c'est un parc d'enfants ici, poto. Moi, je viens ici avec ma femme ou avec mon gosse. Je sais que je suis filmé. Je te prends vivant. Vivant, je te prends et je te fais. Tu as vu pas? Je te jure, je me filme et je te fais. Je m'en fous du gosse. Je regarde ta femme, c'est tout.
demain tu vas venir avec nous parce que sinon ça là je te dis là, là je veux même pas te frapper. Voilà, viens avec nous, voilà, c'est tout. Viens avec nous. Et on va où là? On va au commissariat. Mais qu'est-ce que tu dis? Je rentre pas dans le commissariat. Tu verras. Non, rentre pas, non, rentre pas. T'as pas le choix. Sors. Sors, tu vas voir comme je te roule dessus. Vas-y, sors. Qu'est-ce qu'on va faire déjà? Toi tu filmes l'intimité des gens. Moi j'ai ton numéro. On peut pas les mettre, c'est interdit. Donc ce qu'on va faire, les gens vous nous rajoutez sur Instagram, d'accord? L'Insta il s'affiche en dessous de la vidéo, là le monteur il la mettra. Et on va mettre ton numéro. Allô? Changer de numéro. Numéro, c'est pas grave, t'inquiète. T'inquiète, je pense que là, quand t'as pas terminé au commissariat, tu vas pas ressortir. Ouais, les gens, laissez-lui des messages. Voilà. Vous lui laissez des messages de fou. Laissez-lui des messages. C'est pas moi, qui est plus là, moi. Ah ouais, qui est plus là, toi. Que pour moi, c'est plus important. Bien sûr. De te faire arrêter. Que d'aller prendre l'argent. Tu veux te faire arrêter de quoi? Vas-y. Rends-moi ma caméra. Non. Rends-moi ma caméra, t'es sûr? Mais taille-toi, mais je veux. Ça va être pire si tu pars. Pars, vas-y. Regarde, pars. Pars. Tu ouvres la portière, vas-y maintenant. Vas-y, allez, ça y est, c'est fait là. Allez. Allez, viens. On va tout filmer, comme ça les gens ils peuvent pas dire que je t'ai pas vraiment mené. Voilà. Y'a pas de soucis. C'est bien, on t'entend plus là. Je marche. Prends l'air. Ouais, prends l'air. Ouais. Respire, profite. Vraiment, profite de l'air qu'il y a ici. Que tu viennes avec nous et que tu avoues tout d'un coup. Un conseil, hein. Le mieux que tu rentres avec nous. Que tu rentres avec nous et que tu avoues tout d'un coup. Plutôt que tu ailles seul ou tu viens te chercher à la maison parce qu'on va pas délirer avec toi. Moi je te conseille à vous, parce que, avec ce qu'on a frère. Allez, viens. Hein? Ouais, je suis sérieux. Ouais, je suis sérieux, allez. C'est parti. Let's go. Les gars, attendez-moi là, je reviens. Je t'avais pas dit qu'il allait y rester? Il est non gardé là? Bien sûr, frère. Il est encore heureux qu'il le garde. C'est la GoPro et tout? Ouais, j'ai tout laissé, j'ai tout donné. J'ai donné la GoPro, j'ai tout donné. Ils m'ont demandé, je leur ai expliqué de A à Z. Voilà. Bon, les amis, écoutez, c'est bon. N'oubliez pas, parce que moi, juste l'amener au commissariat, ça suffit pas. On a son numéro. N'hésitez pas à nous rajouter sur Insta, il s'affiche en dessous. On mettra son numéro de téléphone avec lequel il nous a appelé tout à l'heure. Et comme ça, vous pourrez y laisser des messages. On va rentrer. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve, comme d'habitude, chez moi pour une petite conclusion. Allez, ciao. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rajouter sur Snapchat et Instagram. Ils se sont affichés tout au long de la vidéo. N'hésitez pas aussi à rajouter mon poteau Soso et Bâtard qui ont été là et qui m'ont aidé justement à coincer ce sale type. Si vous voulez porter notre marque de vêtements, nos pulls, nos t-shirts, nos shorts, nos casquettes, nos bonnets, les porte-clés, si vous voulez porter notre marque, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com. En attendant, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. C'était Kamof, portez-vous bien et surtout faites attention quand vous allez dans des toilettes publiques de regarder autour de vous parce qu'il y a des pervers et des gens malhonnêtes partout. Et franchement, ça serait bête que vos enfants ou même vous-même soyez filmés pendant que vous êtes aux toilettes alors que c'est un moment intime. Voilà, faites attention à vous, il y a des traqués partout. C'était Kamof, à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.